Saïd, c'est un petit garçon donc, qui vit dans la banlieue nord de Paris, ou ça peut être n'importe quelle autre banlieue d'une grande ville. C'est un enfant dont les parents sont algériens. Ses parents ne sont ni chômeurs, ni spécialement dans des difficultés majeures. Ils vivent bon, de façon très modeste, disons, comme beaucoup de gens vivent de façon modeste en France. Et ils ont envie, eux, ils ont le souhait que leurs enfants fassent des études. Saïd a une grande sœur qui envie de faire des études supérieures. Puis il a un petit frère, Mounir, dont il s'occupe, qui lui est tout petit et qui va se retrouver dans des difficultés, puisque on va découvrir dans le livre qu'il est sourd. Puis il a un frère qui s'appelle Abdelkrim, qui est un modèle pour Saïd, qui est un enfant perturbé, un adolescent qui a 14 ans, et Saïd l'adore, c'est son grand frère. Mais l'histoire, c'est que Saïd a eu une école, jusqu'en CM2, a été très bon élève. Il est un enfant qui me ressemble, qui a ce point de ressemblance, parce que moi j'ai adoré l'école petite. Et voilà, quand il rentre en sixième avec cet enthousiasme et cette attente frénétique de l'entrée au collège, enfin qu'est-ce qui va se passer? Il rentre dans un collège qui est un collège énorme, hein, c'est des centaines et des centaines d'élèves, qui est le collège que j'ai connu à Montigny-les-Cormeilles. Et je relate tout de suite la première impression que j'ai eue moi-même en arrivant dans ce collège en tant que professeur, c'est le brebis. Alors de quoi faut-il sauver Saïd? Faut sauver Saïd de cette violence, c'est-à-dire il ne faut pas entendre violence simplement parce qu'il y en a dans le livre aussi bien sûr, hein, mais il ne faut pas seulement entendre violence dans le sens de raquette, parce qu'il y en a. Faut sauver Saïd de cette violence qui consiste tout simplement dans le fait qu'on ne le prend pas en considération, dans le fait qu'on ne le protège pas. Et il faudrait que ce soit un enfant de 11 ans qui ait une maturité telle qu'il puisse se dire il y a du bruit, mais c'est absolument pas grave. Je dois quand même comprendre que je suis là pour moi-même et pour apprendre. On m'insulte, mais je dois dire, mais non, c'est pas grave, c'est juste parce qu'ils sont un peu nerveux, c'est leur façon d'être, c'est pas grave. On m'a volé mon sac, mais non, c'est pas vraiment volé, c'est parce que la société est tellement difficile et parce que ces enfants, finalement, qui sont en face de moi, qui m'ont volé, ben, ce sont des victimes eux-mêmes. Saïd, bien sûr qu'il perd ses forces. Il perd ses forces du fait de cette situation. Il perd ses forces aussi, bien entendu, du fait qu'il prend conscience que son frère, qu'il adore, Abdelkrim, est en train de basculer du côté de Tarek, qui est aussi son cousin, et qui donc va vers la pente du deal. C'est une tragédie. C'est une tragédie pour ses enfants, que ce soit Saïd, mais que ce soit Abdelkrim, et que ce soit Tarek. C'est une tragédie qu'on ne les prenne pas au sérieux. C'est grave pour Abdelkrim et Tarek s'il n'y a pas un moment quelqu'un qui leur dit stop. J'ai bénéficié d'une confiance aveugle de la part des producteurs qui m'ont permis d'écrire le scénario et donc de quand même 90 minutes à partir de ce petit livre, c'était pas évident. Il y a un réalisateur qui s'appelle Didier Grousset qui a été contacté. Je l'ai rencontré bien entendu, on a eu un moment, je crois, une profonde sympathie. Je lui ai expliqué deux choses. La première, c'était que je tenais beaucoup à ce que le film soit écrit du point de vue de l'enfant. Et le deuxième point, c'est que ce film, c'est un film sur. C'est un film sur quand même où je tenais beaucoup à ce que l'école soit très présente. Saïd, le petit garçon qui joue, qui est une pure merveille d'acteur, qui est Comment magnifique. Il s'appelle Dean Amash, vous allez le voir, il est extraordinaire. C'est vraiment un enfant extraordinaire et tout le casting est exceptionnel. Je suis très ému par le résultat, j'ai été très touché, j'ai trouvé le travail tout à fait remarquable. Il est remarquable parce que c'est d'abord un travail sensible. Et que j'espère que Il faut sauver Saïd est un livre sensible. Voilà. Vous avez pleuré? Oui.